Bon matin tout le monde, Frank So Fishing, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'étais avec mon ami Joshua Treadwell de Bented Bass. Il vient juste de partir, il est parti mettre de l'essence dans son camion. Moi j'embarque dans le mien, on s'en va pêcher. On s'en va pêcher sur la rivière Yamaska aujourd'hui. On devrait essayer de cibler du doré, du brochet, peut-être de la chien, peut-être du mosquée, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'espèces de poissons dans la rivière Yamaska. Fait que, that's it. J'embarque dans le camion à l'instant, je m'en vais le rejoindre et... On s'en va à pêche immédiatement. Pris le temps de bien s'installer. On a fait plusieurs trous, puis le temps qu'on fasse les trous, Joshua il a mis sa ligne à eau, à l'eau. Tout de suite, il y a eu une attaque. Boum! Depuis, plus rien. On voit des poissons passer sur la caméra. Ben, pas sur la caméra, mais sur le sonore, mais on dirait que le poisson veut pas mordre. Ce qui est embêtant ici, c'est qu'il y a tellement de sortes de poissons dans cette rivière-là qu'on sait pas exactement quelle sorte de poisson on passe. C'est un peu difficile de réussir à les jouer quand on sait pas c'est quoi, on sait pas qu'est-ce qu'il veut manger. On va continuer d'essayer de le déjouer tranquillement. Is it a perch or a walleye? No, I can't tell it, it's not like a profile. Oh no, it's a walleye. Oh, it's a big walleye. Oh, fish. Fish, fish, fish. Maybe just try to broke the ice a bit because there's a lot of ice. It's a walleye, I'm sure it's not a perch. Yeah, it's fighting like a dead log. I gotcha. Oh yeah, man! Yeah! First walleye of the day. They do exist here. Look at how pretty that fish is. Yeah, he's really nice. You see all the color on it? Yeah. It's really nice fish. On vient juste de prendre le premier poisson de la journée. Un beau petit doré. Il est petit. Ah, je pense qu'il n'est pas legal. I need 37 centimeters. Too small, right? Yeah. Un beau petit doré, il est vraiment beau. Regardez les couleurs sur ce poisson-là. Super beau poisson. Il est petit, par contre, on va le remettre à l'eau. On va le remettre à l'eau tout de suite avant qu'il fasse trop froid et qu'il gèle. Il est parti! He's gone! Sweet! So, if there's one... There's more. There's yeah, more. I definitely saw more than one down there. Flag, flag, flag! Oh! Go slowly. Yep. Oh yeah! First on the ice, baby. Oh yeah! Nice. Hey, they're active, eh? During the day, look, at this time, they're not supposed to eat at all. You want the... Oh no, it's alright. Oh yeah. Yes, small, yeah? I'll take... No, it's good. I'm sure it's good, this one. Yeah, let me get some... Ooh. Wait a second, I'm gonna go get the... Measure them up here.
15 in. Yeah, it's good. Keep them? Yeah. Alright. Why not? It's yours. Finally get one. Sweet. Big mark. Oh yeah, fish. Oh, he's on. Yeah, man. Another little squeaker. Yep. I think this one is a keeper. Oh yeah. Pour ceux qui disent que c'est impossible de prendre du dorant en plein milieu de la journée, là, on a la preuve que c'est très très possible. J'en ai deux. You want to take a picture of that one? Yeah, this one is nice. Got strong too. Lui, il est arrivé, hein? He came from nowhere and crushed it. Bow! I don't mind, especially over in the shelter, I don't mind the rain, obviously. Oh, burn! Not spinning, but oh no, there's something on it. Oh, big head shakes, dude. Big head shakes. He does not like coming no, up. No, no, eh? You don't want to. Big head shakes. What is this, dude? Does it fit in the hole? I don't know, man. Do you want me to? I don't know what we could do. I mean, besides drill another hole right next to it, which I've seen work once, ever. Leave it fight. Jeez. Hey, that trap worked good, eh? It does work good. And that minnow's not too bad. Dude, this is the same dead minnow I had on there before. I just put it back on. I can use the handle of my spoon. There's a hook on the end of the handle. I just can't get his head to come up the freaking hole. He's so freaking big. Don't bite me. You're gonna be all wet. Oh yeah! Oh, it just poked his eye in. Woo, that's cold! Of course it's cold. You're gonna be all wet for the rest of the day. No, I got Yeah! There we go. Nice pike, man. Nice pike. Yeah. Nicely hooked in the corner of the mouth. Yeah. You're very lucky. You guys, the camera. Yeah. Can't feel my hand. Well, that's why sometimes I make an open box video. I make the Frabil ice suit. Oh! Oh no! Oh yeah! The fish save! Almost went into my pencils, man. Hey, that's a nice keeper too. Yeah. Sweet. Yeah. Hammered it. Oh, he's a little chunky guy. Yeah. Really nice fish, yeah. Nice fish. Let's put him on a stick. Yeah. Pick him out. Hey, that's nice. Walleye at this time of day, it's you're really lucky. I hope you understand that you're really lucky. Oh, it's the bigger one. Oh yeah, 16. 16 and a quarter almost. Oh, I got them all snow. Yes, bon ben, that's it pour la vidéo d'aujourd'hui.
En fait, je suis de retour à la maison, j'ai commencé à travailler sur la vidéo tranquillement, puis je me suis rendu compte que ma sortie de vidéo que j'ai faite là-bas, je ne l'ai pas filmée. Fait que j'en fais un autre à la maison, mais ça va quand même me donner la chance de vous montrer l'équipement avec lequel j'ai pris mes dorés aujourd'hui. Fait que j'ai utilisé une petite canne comme ça. Celle-ci, c'est une 26 pouces Medium Light Pro Guide de Cabela's qui venait avec un petit reel de qualité. Le bel est en aluminium et tout. Puis c'est un fluorocarbone de 6 livres qui est dessus. Puis la cuillère, 3 des 5 brochets qui ont été pris, 3 des 5 dorés qui ont été pris aujourd'hui ont été pris avec une petite cuillère comme celle-ci. Je la montre juste ici. C'est une VMC Tumbler Spoon. Alors, imitation perchaude, une cuillère qui est courbée, qui va faire beaucoup de déplacements dans l'eau. Avec un petit peu de flash, une petite mini cuillère chrome en dessous. Puis c'est glow, et glow l'autre côté. Fait. Beaucoup de visibilité pour le doré en eau semi-profonde, jusqu'à plus profonde en raison du glow. Et pour le doré, pour des cuillères comme ça qui vont avoir beaucoup d'action dans l'eau, je veux tout le temps un petit émerillon comme celui-ci. Parce que la cuillère va beaucoup tourner dans l'eau, fait que ça va éviter de vriller votre fil. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va en avoir d'autres qui vont venir bientôt. N'oubliez pas d'aller regarder dans la description du vidéo en dessous, juste ici en dessous. Je vais vous mettre le lien pour la page YouTube de Joshua, Bented Bass Fishing sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos lui aussi, il pêche absolument tout. Vous allez même voir sur sa page YouTube, il a fait presque la côte ouest puis la côte est des États-Unis pendant un an. Ils ont vendu la maison, le bateau, ils ont acheté un Winnebago, lui puis sa conjointe, puis sont partis à la conquête des lacs et des rivières. Fait que vous pouvez voir ça sur sa page YouTube. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Nouvelle adresse, Frank Dissot Fishing. @commercial.gmail.com, vous pouvez m'écrire directement des emails, des commentaires. Sinon, partagez la vidéo, écrivez-moi, gênez-vous pas, YouTube, Instagram, National Pro Staff et Facebook. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Keep fishing. À la prochaine.